tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai reçu ce moyen colis. Bon, on voit ce qu'il y a écrit. Hein. C'est un Senseiya Aldebaran, les chevaliers du taureau. Que tout le monde connaît. Hein. Bon, ceux qui ne connaissent pas, chez les du Zodiac. Chevalier du taureau, il apparaît en deuxième après le bélier dans l'animé. Alors, une petite dédicace à toutes les personnes qui sont chevaliers, qui sont du signe du taureau. Et dédicace aussi à José, un ami à moi qui collectionne aussi, qui se ruine dans cette passion. Alors, bon, on va ouvrir ça tout de suite. Je vais chercher mon cutter, où je vais planquer. Je vais aller là. Voilà. La paperasse de la douane, toujours. Hein. Comme là. Le beau scotch jaune hein, qu'on reconnaît bien de nos amis chinois. Non, un gros stock de scotch jaune, les gars. La paperasse. Et voilà. On va voir s'il n'y a pas de casse. Je sais pas quand je l'ai pris à la poste. C'est un peu bizarre le colis. Je me dis, est-ce qu'il y a assez d'espace? J'espère. On verra bien. Alors, voici. Oh, elle est lourde. Hein. Je vais faire ça comme ça. Ben, ils mettent c'est nouveau ça chez Fock. Voilà la bête. Je vais pousser ce carton là. Alors il y a une petite enveloppe dedans. On va voir ce que c'est. Ah ben, ils font des certificats maintenant. Bon, en fait, j'ai pas reçu encore le Gémeaux. Alors peut-être qu'il y a aussi avec le Gémeaux. Voilà, certificat. Oh, il y a comme ça. Avec un très joli dessin derrière. Le papier est. Ouais, c'est du bon papier. Bien épais. Avec un petit logo brillant. Ouais. Écoutez, c'est. En plus, quoi. C'est cool. Tu aurais pu faire ça dans les. Ça m'a eu l'éternel, mais n'importe quoi. Alors, ouvrons tout ça. Ensemble. Alors, comment on va faire? C'est comme ça. Je vais mettre tous les côtés, moi. Ah ouais. Et les gars, ils ont fait des... Il y a du budget là! Il y a du budget les gars! Dans la boîte du côté blanc, hein. Ah là, ouais! Là on voit. Pas les 12 à mon avis, hein. 12 gold. Mais c'est joli, joli emballage. Simple, efficace, top. Alors le haut, hop. Ça doit être le haut. Où j'ai envie des. J'ai des sangles là, moi. Les scratch, j'ai vu ça chez Oniri, ils ont les mêmes chez Oniri. Je suis ma cobra. C'est cool. C'est cool. Mieux que le scotch. Avec scotch. La cape qui est ma foi assez grande. Ouais, la cape est grande. On va dire la taille de la figurine. Hein. Ouais, c'est gros. C'est en PVC. Hein. Non, c'est bon, vas-y. C'est du PVC. Je vais la mettre en attendant. Enfin, on voit tout. Hein. Il y a deux étages.
Allez, attends, on va faire ça comme ça. Ben, il n'y a pas de casse à voir. Il n'y a pas de casse. Yes. Attends, on va mettre comme ça. Oh, ouais. On va faire des signes. On va toutes les pièces de ce chevalier gros. Ah, ça, c'est des bonus qu'ils donnent avec. Avec chaque chevalier, ils mettent la maison en petit. C'est un plus, mais je trouve cool. Je trouve sympathique. Avec un porte-buste, si on veut changer le buste, en fait. Voilà, on verra ça ensemble. Je vais poser ça là-dessous. Attendez. Je vais sortir le socle. Déjà, ça va être pas mal. Je vais mettre ça là. Et la lumière. Après. Voilà. On fait ça, ça, c'est cool. Le socle. Avec l'inscription. Hein. Le débarrant. Ça a de la gueule. Les colonnes par terre, franchement c'est cool. Le torse, on va prendre le torse. Il est déjà énorme. Le torse qui est énorme. Bah, le torse, le corps en fait, pas que le torse. Franchement c'est bon. Franchement, pour du non-off, franchement, il est le paint est... Bon, après, je vous montrerai de plus près à la fin, comme d'hab. Toujours pas de mode d'emploi, hein. Non, ça. Là, il y a même un impact sur le... C'est un impact... C'est voulu, hein, c'est pas un impact... Tu as une casse. Et là, en fait, il y a un autre torse. On va le sortir. À mon avis. Un autre torse. Non, en fait, c'est le. C'est un buste. C'est pas pour mettre là, on voit. Ah non, non, il est en entier. Non, en fait, c'est un buste en plus. Pour mettre l'autre tête, en fait. Parce qu'il y aura deux têtes. Voilà, on va le voir. Alors, on va sortir les têtes, ça c'est bien. Une tête avec la corne de cassé. C'est quand Seiya lui coupe la corne. Ah non, attends, on n'est pas comme ça. L'autre aussi. En fait, c'est deux. Non, une avec la bouche ouverte, la bouche fermée. Le visage est super bien fait. Franchement, les deux visages. Super bien fait. Alors là, on a les cornes. Ça c'est bien déposé, on voit. Ah bah, comme la table en métal, c'est monté, excellent. Ah bah voilà la corne cassée. Bon, c'est, elle est cassée nette. Là, je vais mettre quoi sur le... On va le mettre comme ça, qu'il est un peu énervé là. Ouais, avec les deux cornes. Ou bah, comme ça, et puis l'autre corne qui a été pété, cassée par... par Seiya lors du combat. On s'en verra après. Maintenant, les bras. Le bras droit. Ah, on peut mettre avec les bras croisés ou les bras en avant aussi. Alors, on va voir. Je sais pas comment j'essaie de mettre. Enfin, je vais mettre avec les bras en avant.
sera plus imposant. Quoique, avec les bras croisés, c'est cool aussi. Bon, comme ça, il a de la gueule aussi. Hein. En fait, avec les bras croisés, le visage, la bouche fermée, à mon avis, ce sera plus joli. Mais est-ce qu'il y a assez de pièces pour mettre? On verra. Je continue. Ah oui, oui. Ah ouais, en fait, il y a... Franchement, le paint est magnifique. Il n'y a rien à dire. Beau boulot de Fox Studio là sur le paint. Même les dernières samouraïs étaient cool, mais alors là, on voit qu'ils prennent du level, les gars. Franchement. Ça, tu vas. Comme ça. Mais là, il manque une main. Elle doit être là. Elle est là. La main qui va là. Là. J'aurais pu la mettre avant. Ah, attends, on va faire que ça. Hop. Mais là. Tu te tiens au doigt. Oula. Donc c'est bien aimanté. Ouais, alors la main là. C'est bon, j'ai réussi à mettre, ça va. Ouais, ça va. C'est un peu... Eh, ça rentre, mais il y a un jeu. Ça cause la main, elle va pas au fond, là. J'ose pas forcer. Bon, laisser comme ça. Non, là, il y a un gros... Hop, voilà, ce que je disais. C'est pas top là leur truc. Ah, il y a du jeu là. Va pas bien au fond. Bon. On va faire comme ça. On va pas forcer parce que j'ai peur de tout casser. Ouais. Là, il est plus touché. Voilà, c'est bon. Non, ça va. Je préfère cette position-là, en fait. Là, il y a quatre épaulettes. Ah, ils ont vraiment fait... Ouais, franchement, moi, si j'aurais pu choisir, j'aurais pris une position. De toute façon, on n'arrive jamais à mettre les deux. Avec tous les choix, toute la place qu'on a besoin, ça fait beaucoup quoi. Ouais, c'est cool hein, d'avoir mis le buste et tout en plus, c'est un choix. Une fois que je pose une figurine, moi en fait, voilà, j'aime bien la laisser comme elle est, en gros. Alors, les épaulettes. Non. Ok. C'est pas celle-là. C'est gros, hein. C'est gros, ça fait son poids, c'est top. Attends. Mais des fois je suis pas en face, c'est pour ça que je vois pas. Oula, j'espère. Ouais, ça tient, ça tient. Franchement, la blague, mais franchement, l'autre, moi je vais pas l'exposer. Hein. Je vous la montre à vous, mais après, je vais la remettre dans le carton. C'est dommage. J'ai pas la place non plus pour tout exposer. J'ai gardé tous les scotch. Mais en tout cas, alors, qualité, les pièces et tout, c'est là. C'est pas du tout cheap, c'est bonne qualité. Ça va sur un truc, non? Ouais. Là, ils ont mis une pièce aimantée. Les autres, elles sont collées. Celle-là, on peut l'enlever. Ah oui, à cause que le bras, il s'enlève. Là, il y a une petite touche là que je trouve cool. Je trouve ça chouette qu'ils ont mis ça. La fleur. Qu'il a aussi. Ah oui. Il la met dans la bouche. Je sais pas si on peut la mettre.
Non, on peut pas. Si, attends. Non, on peut pas. Allez. On va la poser là. C'est cool, le petit détail. Vraiment sympa. Ben voilà le petit adhérent en petit. Ce gros adhérent. Ah oui, encore ça. La plaque. La plaque. Alors franchement là, ça aussi c'est très joli. Hein. Très très joli comme ils ont fait ça. Doré, avec tous les signes, phoque. Le numéro, j'ai le numéro 130 Europe et US, hein, parce que je crois que Chine, ils ont une autre quantité. Ça c'est Europe US, je suis à 130 sur 180, 180 pour nos amis français. Et le taureau là, il est super, super bien fait. Super bien fait. On va la mettre là, tac. Ouais, franchement, c'est joli. Voilà. Voilà. Ah, j'ai rien dit. Ah, puis. La cape. La cape. Bon, son cap, il est cool. Par contre, si on ne met pas la cape, c'est pas joli derrière. Il aurait pu mettre un. Je vous montrerai après. J'aurais dû la mettre avant. Et ouais. Attends. Je savais que j'avais oublié. Il y a un truc. Il veut plus s'enlever, lui. Ah ouais, d'accord. Tac. Ouais, elle n'est pas montée, la cape. C'est en plastique. Hein. Bon, vas-y maintenant. Comment tu vois? Non, ça c'est ce côté. Ça c'est le gros côté. Là. Et puis ça. Là. Ah, ben voilà. Non, mais il vient avec la cape aussi. Oh, il est imposant. Je vais déplacer un peu celui-là pour vous montrer un peu ça tout près. Hop, voilà. Je regarde ça avec vous de plus près. Voilà. Aldébaran qui est bien énervé avec sa cape. Ouais, en fait, si on ne met pas la cape, va tourner. Si je ne mets pas la cape, on voit tous les défauts derrière. Il y a un trou là et c'est ouvert. Mais bon, de toute façon, c'est de dos. Mais celui qui veut l'exposer son cap, voilà, si on voit le dos, c'est pas très beau. Ils auraient pu mettre un cache, peut-être pour. Mais bon, ça c'est détail. Hein. Parce qu'avec la cape, franchement, elle a de la gueule. Ouais, je le préfère avec cette position que les bras croisés. Quoique les bras croisés, il est cool aussi. La corne cassée. Mais ouais, une très belle figurine, franchement, qualité-prix, rien à dire de la part de Foka avec la petite plaque. Ah bah je vais mettre la petite maison, tiens. Là. On va faire comme ça. Attendez. On va reculer ça. Tac. On va prendre ça. On peut la mettre dessus. Là-dessus. Oh. Voilà. Un peu, ben voilà le Aldébaran de chez Focke. On va le tourner encore un peu. Si non, elle peut pas toucher l'autre. Oups là, pardon. Là. Franchement, très très belle pièce. Très belle pièce. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Et merci d'avoir regardé.